aux parents qu'il y a de la bonne foi. Ça veut dire que les chefs traditionnels vont agir avec les valeurs traditionnelles que vous connaissez tous. Il n'y a pas d'autres valeurs. Et une autorité traditionnelle dit ici, le respect de l'aîné, le respect du parent, le respect de la mère, le respect de la fille, le respect, l'interdit vis-à-vis du neveu, l'interdit vis-à-vis de l'autorité que nous avons décidé de mettre devant nous tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le père appelle tout le monde, celui qui ne vient pas à l'appel connaît la sanction qui lui sera réservée. Le chef traditionnel ne va sanctionner personne, mais c'est la main divine qui va sanctionner. Et le chef traditionnel, nous sommes là pour rappeler aux uns aux autres que nous avons nos valeurs, que nous devons les respecter, que nous ne devons pas copier et agir comme les autres avec des comportements de véranda qui ne sont pas les nôtres. Les chefs traditionnels venons dire, nous sommes là pour partager l'hospitalité. Nous sommes là pour partager l'amour. Nous sommes là pour partager le progrès. Aucun chef ne veut que son peuple soit dernier. Ce que nous tous nous voulons, c'est que nous restons un grand pays. Le premier, un pays fait de valeureux garçons, de valeureuses filles, de valeureuses personnes que nous voulons louer à tout moment. Nous ne pouvons pas construire sur les pas de la guerre. Et c'est voilà le message que nous donnons aujourd'hui aux journalistes. Et nous disons, les chefs n'ont pas dit que c'est à eux la solution miracle. Les chefs ont dit, comme un parent, il est temps qu'on s'assied tous. Et celui qui ne va pas respecter le parent connaît la sanction qui lui est réservée. Celui qui va agir dans le sens que le parent oriente connaît la sanction qui lui est réservée. Ce que le parent recherche, c'est le bonheur. Et nous sommes convaincus que tous ceux qui vont suivre la voie que le parent montre connaîtront le bonheur, compteront le bonheur, parce qu'ils auront la bénédiction. Et nous souhaiterons que chacun court pour recevoir cette bénédiction, car c'est de la bénédiction que chacun sera grandi.